Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec pour la troisième partie de Darksiders. Comme je disais à la fin de la partie précédente, il me semble bien qu'on peut atteindre le petit artefact qu'on voit là-bas. Et on voit la légère lueur verte juste au-dessus de ma tête. Juste là. On va essayer de l'atteindre, maintenant qu'on a ça. Bon, ça nous aide pas à atteindre tout ce qu'il y a de caché dans cette bibliothèque, mais bon, c'est déjà ça. Volcan. Tout ce que j'ai fait entre temps, hein, depuis la dernière partie, c'est venir jusqu'ici et tuer éventuellement un ou deux zombies un peu gênants. Nyeh. Le machin bleu qui flotte là-haut, on peut pas s'en servir pour l'instant. Je vous le dis tout de suite, on pourra s'en servir qu'après avoir battu le quatrième boss. Enfin, quatrième boss, en considérant Tiamat comme le premier. D'accord, j'ai raté mon coup de manière magistrale. Je pensais qu'on pouvait marcher sur le petit morceau de poutre. C'est un saut qui n'est pas forcément simple à faire, parce qu'il est plutôt loin. Mais normalement, je peux y accéder maintenant, et on se sert pas d'autres outils pour y accéder. Donc, bah c'est bon, c'est bon. Et hop, un artefact. Artefact soldat. Eh bien, alors, on va donner ça à Vulgrim. D'accord, j'ai encore oublié de sauter. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. On va donner ça à Vuvu. On va aussi fouiller la potence ardente. Enfin, il n'y a pas grand-chose à fouiller, il y a juste un coffre caché. Enfin, c'est même pas un coffre secret, c'est juste qu'il n'est pas forcément évident à trouver. Et puis ensuite, on se mettra en direction de Tiamat. Alors, il y a juste un petit truc qui s'est déclenché pendant que je me déplaçais. J'ai pas enregistré. On a eu une très courte séquence, c'est la caméra qui filmait le tunnel, qui a reculé et qui nous a montré que deux boules bleues s'étaient allumées. Je pense que vous me pardonnerez d'avoir raté ça. Les boules bleues, en fait, ça sert pour s'envoler. Si on plane dessus, ça augmente notre altitude. Ça sert juste à ça. Hein. De toute façon, vous verrez bien, je vais y passer. Bien, crème, boum. Alors, fuyons, un machin bleu, ouais. Au revoir. Là-bas, c'est le chemin vers le second, il me semble, le second élu. Ah, je dis une connerie. Donc, bien entendu, on n'y a pas accès pour l'instant. Pas les outils nécessaires. Là-bas, le cristaux bleu, c'est le chemin vers le troisième. Vous voyez, on est vraiment au centre du monde, là. Hein. Le quatrième, je sais plus par où on y accède. Alors, on a un point de Vulgrim ici. Bien. Un cercle de Vulgrim. Un petit marchand. Très certainement. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah, très bien. Raté. J'ai raté mon coup. Très bien, ça. Très bien, ce coffre. Excellent. Éclat de coup. Avec 4 éclats, on fait un noyau et donc une barre. Allez, causons tous les deux. Tiens, du pognon. 500 âmes quand même, le l'artefact. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. L'essence de vie, quand même, c'est pratique. Hein. Il m'en faudrait peut-être une. Bon, je vais voir. S'il me reste 500 âmes, je la prendrai. Est-ce que je la prends, la faux? Ce serait sympa de la prendre. Ce serait sympa de la prendre. Quand on tue avec des faux, on récupère plus d'âmes qu'avec l'épée. Attends, voir. Est-ce que là, il y a une attaque intéressante, particulièrement? Assez circulaire, c'est pas mal, mais c'est un peu cher. Attaque au harpon... Ouais. Attaque au harpon, c'est pratique. Hypercute à épée, j'en ai pas besoin. Allez, donc on se fait une attaque au harpon. Je prends juste le niveau 1, ce sera suffisant. Courant attaque dans le dos, non. Tranchant démoniaque, non. Eh ben, on va dire la foule. Hop. Je l'achète, il y a tout plein de... Oui, tout plein de mouvements avec la faux, c'est très bien, mais... Et j'ai plus assez d'âmes pour en bordel. En quoi, petit et humble marchand que je suis. Et donc avec triangle, chouk. Alors elle a quelle apparence? Vous voyez, elle est stylée quand même. Hein, un bon bout de métal.
Mais je vais rentrer le cheat code. Le cheat code de l'infini. Saisir code, s'il vous plaît. Alors, je crois me souvenir. Attends, il faut respecter la case, je crois. The. Il me semble que c'est ça. Hein. Là, je fais vraiment de mémoire. Hein. Il me semble bien que c'est ça. The Hololord. Vous avez débloqué le moissonneur. Voilà, c'était bien ça. C'était bien ça. En fait, le moissonneur, c'est juste une autre apparence pour la faux. Si j'avais rentré le code avant, avant de l'acheter, je l'aurais eu gratos. Ce qui ne m'intéresse pas, moi je veux quand même la payer. La légendaire faux de mort, mort avec une majuscule, parce que c'est notre frère, hein, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, peut massacrer de nombreux ennemis grâce à ses attaques amples et féroces. Le moissonneur récolte encore plus d'âmes des ennemis vaincus. Chouk! Et avouez quand même que c'est un peu plus stylé. Elle a quand même plus de gueule, celle-là. Je suis désolé. Mais elle se comporte exactement comme la faux, autrement, hein, comme la faux normale. Alors vous voyez, là, on a un petit chemin en bas. On a un petit chemin dans la roche. Et il y a un coffre au bout de ce petit chemin, un coffre caché. Même pas secret, juste caché. Donc on va essayer de l'atteindre. C'est bon. C'est bon, on est tranquille. Et donc là, on a le coffre. Il est mignon, il est joli. Bam! Et un morceau d'armure. Je me souviens, dans ma première partie, c'est le dernier que j'avais trouvé. Encore, en suivant un guide sur Internet. Parce que celui-là, il était tellement caché, j'avais jamais vu. Et on remonte. Vous voyez, quand je dis que ça nous fait prendre de l'altitude. Et donc là, les bouches à incendie, elles servent à rien. On peut toutes les péter, ça sert à rien du tout. Alors, on va se mettre maintenant en chemin vers Tiamat. Tiamat, Tiamat. On va faire quelques morts avec, avec la faux, histoire de récupérer du pognon. J'ai pas sauté. Je suis vraiment un gland. Pourquoi j'ai pas sauté? Oui. Le truc, en fait, c'est que quand on est trop proche du bord, la touche de saut ne fonctionne pas. Enfin, faut vraiment être proche, quoi, mais... C'est un petit bug mineur, c'est pas très gênant, suffit de s'y faire, hein. Allez. Mais je vais me le faire, hein. Je vais me le faire. Yeah. 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 Tu m'as raté, tu m'as raté, tu m'as raté. Oh, une âme. Et une âme gratuite. Marc, ça doit plutôt être à cause des objets de l'environnement. Oh, c'est pas vrai, mais tu vas y passer. Pour l'instant, ils sont vachement forts, ce truc-là. Ah, ça y est. Mais une fois que j'aurai certaines améliorations, ils seront assez simples à tuer. Bon, ça, c'est fait. Un en moins. Bon sang. C'est costaud, ces machins, c'est costaud. Oui, ça, je sais. Ouais, bon. Alors, nous sommes sous terre. Nous sommes sous terre et il y a un coffre. On en profite, écoutez. Hein, on profite du petit coffre qu'on trouve. Ça fait pas de mal de se prendre des coffres. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Plein d'âmes. Des âmes partout. Délicieuses, des âmes. C'est bon, les âmes. Encore des âmes. Plus d'âmes. Il va falloir un peu de santé là quand même, parce que je suis bientôt à la moitié de ma jauge au total. Là-bas, on peut pas y accéder pour l'instant. Eh oui. Faut un objet qui se récupère dans le cinquième gros donjon, si je me trompe pas. Donc c'est loin. Ah putain, ce truc-là va falloir s'en débarrasser. Tais-toi. On passe de l'autre côté. Des vraies saloperies, ces trucs-là. Il te tape, s'il te tape, t'es éjecté de la surface. Donc, sachant que c'est de la lave en dessous, vaut mieux pas les laisser faire. Des armes partout. Oui.
continuons d'avancer. Oh, on doit traverser la lave deux fois. Deux fois en utilisant ça. Oh, yeah, yeah. Ça passe. De peu, mais ça passe. Hop. Et voilà, nous arrivons au secteur suivant. Le parc suffocant. Qui, en fait, est un cimetière. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. En parlant de cimetière, va falloir péter toutes les pierres tombales. Enfin, pas toutes. Non, pas toutes. Seulement les plus grosses. Les grosses comme ça, vous voyez, avec la grosse croix. Si on les pète toutes, il y a un coffre secret. Et on commence maintenant à trouver des morts. Des morts en armure. Ah, j'ai pété un corbeau. C'est les corbeaux qui donnent des avis comme ça. C'est vachement pratique. Pouh, un coup de poing et explose. Vous êtes mort, craignez ma feu. Vous êtes mort, craignez ma feu. Allez hop. Un autre en moins. C'est de la santé que j'aimerais quand même. Et les dégâts de zone avec la feu, c'est pratique. Bam. Bam. Je veux de la santé. T'as pas compris? De la santé. Oh, y a un truc en feu là-bas. Ah, ça fait... Ça fait mal. Ça fait mal. Reste loin. Reste loin. Reste loin. Techniquement, je peux le tuer comme ça. C'est juste très lent. Ça que je m'en contenterai pas. Ouais, c'est ça, marre-toi, tu vas voir. Ah, c'est pas vrai. Oh, j'avais pas fait gaffe. Je vais mourir encore. Ah, non, c'est bon. C'est bon. Et de la santé. Pas beaucoup, mais il y en a. Il en faudra plus. Il faudra plus si je veux m'en sortir. Plus, plus, plus. Plus, plus, plus. Plus de santé. Hop, allez. C'est bon. Plus de santé. Oh oui, de la santé. De la santé, très bien. Tout plein de santé. Allons dans le caveau. L'artefact. Et plein d'ennemis. Merci pour l'artefact. Quick. D'abord, je tue les pitis pour récupérer de la santé. Parce que j'en ai besoin, quoi. Quand on arrive à une jauge de vie, ça devient dangereux, en fait, dans ce jeu. Ça devient très dangereux. Vous voyez que vous avez vu, ça peut descendre très vite. Vous avez encore eu la preuve à l'instant. Tiens. On va fouiller le cimetière, hein, écoute, on va récupérer tout ce qu'on peut. Hop. Hop. Ça y est. Merci. Et j'ai récupéré l'artefact. Très bien. On ira voir Vulgrim après. Une fois qu'on aura fait le tour. Je crois me souvenir qu'il y a... Oui, un coffre là-bas. Un bon petit coffre. Des armes délicieuses. Miam, miam. Dans les rues, autrement, il n'y a pas grand chose. On va passer par un cimetière pour péter ses croix. On crie dessus, c'est bon. Ça vaut pas le fousse-rodard, mais c'est déjà pas mal. Alors, pour l'instant, ça a peut-être une utilité, cette corne, mais ensuite, ça fait des dégâts tellement ridicules que c'est loin d'être la meilleure arme. Ça peut même pas être considéré comme une arme, quoi. Sérieusement. C'est moi, oui, il y a une chauve-souris. Dégage, s'il te plaît. Ça se tue en un coup, c'est pratique. Enfin, en un coup, en un finish move. Mais bon, c'est déjà ça. Là, une autre croix. Bon. Bon, avec son lot de zombies. Avec son lot de morts vivants, ça c'est pas cool. On va d'abord s'occuper des croix. Bon. Ah, tu m'as pas eu.
J'en oublie pas par là, on reste en mouvement, on reste en mouvement, j'ai pas l'impression d'en oublier par là, je suis suivi par une horde de morts-vivants. J'ai pas l'impression d'en oublier de ce côté, là il y a un caveau, on va le fouiller après, une chauve-souris encore, quelques tombes et une croix surtout là-haut. J'espère que c'est la dernière, j'espère que c'est la dernière. C'était pas la dernière. Fuck. Fuck, j'en ai oublié. J'en ai oublié, bah écoute, tant pis, hein. On va se la trouver après. Allez hop. Chauve-souris. Chauve-souris, encore. Numéro 3. Elle a pas de numéro 4? Non. Eh bien, occupons-nous des soldats. Ils l'ont demandé, écoute, hein. Ils ont demandé les mecs. Ah oh. Vulgrim, Vulgrim, je veux une grime, mon pote, faut qu'on parle. Faut qu'on parle, Vulgrim. Donne-moi des âmes, Vulgrim. Donne-moi des âmes et donne-moi ça. Tu es tout aussi sage que puissant. Merci bien, merci bien. 700 âmes, est-ce que je peux me payer? Non, 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 je vais pas me payer de trucs pour l'instant. Alors, remarque, c'est idiot, si je tombais la dernière fois, j'avais pas besoin de la gaspiller. Mais là, je suis suffisamment dans la merde. Mais la zone de Vulgrim est une zone sans ennemis, donc ils s'en vont quand ils voient que je suis hors d'atteinte. Hé, les gars! Je suis prêt à vous prendre! Tiens! Je suis pas prêt à vous prendre! Ah, ils savent se défendre, ceux-là, en plus. Les salopards. Tiens! Salopin. Alors il me manque certainement une croix encore. Bon ben, on va se la prendre après, hein. Pour l'instant, moi je vois un artefact ici, avec un gros de feu. Un artefact, ça s'est pris. Ah, il m'empêche pas de sortir, c'est très bien. C'est très bien. Au revoir le gros de feu. J'imagine quand même qu'il peut me suivre à travers les escaliers. Et bien sûr qu'il peut. Pourquoi il pourrait pas, écoute, hein. Mais ça encore, j'arrive à me les faire. Avec douleur, mais j'y arrive. C'est bon, ça c'est un coup puissant. On les esquive bien. Les deux petits coups, on les esquive bien. Un coup de feu, on les esquive bien. Ah, je l'ai pas esquivé. Je me suis bien pris là, on devrait dire. Et là on s'écarte. Et c'est bon. Alors, ouais, j'ai oublié une croix. Une, j'espère. Alors, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Là, c'est une fontaine. Là, c'est une pierre tombale normale. Ah, je la vois. Je la vois, je la vois. Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai bien manqué, celle-là. Et voilà, un coffre secret. Un fragment de vie, et eh ben on le récupérera après avoir tué ces gens-là. Parce que ça va réaugmenter ma vie, donc autant se faire les ennemis. Voilà. 800 âmes, bien. J'aimerais le fragment. Éclat de pierre de vie, s'il vous plaît. Puis après, on continue, hein, parce qu'ensuite, la zone est... peut être considérée comme fouillée. Et hop là. Deuxième éclat. Bien. Il en faut encore deux, ça c'est gênant. C'est dommage. Alors... Ah, puis là, on va arriver à une phase du jeu qui est assez... sympathique, on va dire. Attends, voir, je regarde un coup la carte. Il y a tout plein d'étages avec ce bâtiment, mais on peut le fouiller en plusieurs fois au fur et à mesure qu'on récupère les objets nécessaires pour atteindre les différents étages. Mais je pense que je n'y irai qu'à la fin du jeu, puisqu'on sera obligé d'y passer à la fin. Il vaut mieux tout faire d'un coup, je pense. Hop, encore des âmes, des âmes, des âmes. À moi. Maintenant, on descend et on réveille le grand gaillard. Allez, vas-y.
Dis-moi tout, grande porte. Je suis venu pour le destructeur. Mon frère a parlé de ta venue. Mais une puissante malédiction me retient ici. Je ne peux pas t'aider. C'est con. Les malédictions peuvent être brisées. C'est bien. Oui, peut-être. Les serviteurs du destructeur sont invisibles dans le royaume des ombres. Par leur sang, nous sommes liés. Par leur sang, nous serons libérés. Je ne peux plus me déplacer dans le royaume des ombres. Ma puissance a beaucoup faibli. Pas la peine d'y entrer. Je te donne le pouvoir de lire dans le royaume maudit pendant un temps. Mais à quelle fin ? Quel espoir pouvons-nous avoir face au pouvoir maléfique du destructeur ? Ce n'est pas l'espoir qui vous donnera la liberté. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à crier dessus ? Bon, remarque, lui, c'est pas de la provocation, c'est utile. Trouve où se cachent ces rôdeurs des ombres et tue-les tous. Ils ne peuvent pas être si durs à trouver. Ouais, surtout en voyant ça, quoi, ils sont pas vraiment durs à trouver. Il y a que deux moments dans le jeu où il y a ce genre de situation. Ce sont des moments vraiment sympas, c'est un coup de santé là-bas. Ouais, pas besoin. En fait, on doit accomplir différentes épreuves. Et c'est très sympa, c'est très très sympa. 4 épreuves pour libérer le golem. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je vois plein de zombies couchés, moi ça me rassure déjà pas beaucoup. Et donc voici le rôdeur des ombres. Bien protégé derrière sa grille, il faut réussir l'épreuve pour pouvoir l'atteindre. C'est joyeux, c'est joyeux, c'est joyeux. Qu'est-ce que c'est celle-là? Bagarre vitesse, 20 et 40 ennemis dans le temps imparti. Soyez rapide pour gagner des âmes bonus. 40 ennemis! Le temps imparti, c'est combien? 3 minutes. Bon, bah ça peut se faire! Ce n'est certainement pas un défi à la. Déjà un quart de l'épreuve de fait. Hop là. Bon, faut pas se leurrer, hein. Ils vont pas se contenter de nous envoyer des petits zombies à la con aussi, hein. Nous envoyer du un peu plus lourd après. Faut quand même que l'épreuve soit un minimum dangereuse. Vous voyez, ils commencent à invoquer maintenant des ennemis. Et évidemment, ça peut pas être des petits zombies. Non, pas du tout. Bam! Tchac! Marc, là, ça avance bien, hein! Hop! Plus que... Ouais. Plus que douleur. Moi, qu'on me demande même pas de tous les tuer, en fait. Hein. On me demande de tuer un certain nombre. Ça correspond pas forcément à tous les tuer. Vous voyez, il me reste plus qu'un à tuer. Et il y en a au moins 3 à l'écran. Ça fait mal. Donc, je peux me contenter des plus faibles, là. Et ça y est, c'est réussi, avec une minute d'avance. Ah ah ah. Il y a eu du pognon bonus. Où est le rôdeur? Il est là. Il est là, on va lui péter la gueule. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Ah, il n'y a plus la grille. Ah, tu paniques là, ça se voit avec ton regard. Tu paniques. Il est mort. Et ce qui est simple, c'est qu'après les épreuves, ils nous refont le plein. De courroux et de santé. Ils sont gentils. Hein. Allez hop, épreuve suivante.
Bam! Donc on n'a plus accès à celle-ci. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors maintenant on va se faire celle du fond. Pourquoi pas? On va partir du fond, puis on va revenir ensuite petit à petit. Je verrai Vulgrim avant de reparler à la porte. Ah bah à ce moment-là, j'aurais peut-être dû... je vais plutôt faire celui-là alors. À partir de celui-là, aller jusqu'au fond et sur le retour parler à Vulgrim. Ce sera peut-être mieux comme ça. Vu qu'on se fait quand même des âmes pendant le truc. Si on peut optimiser un peu le chemin. Allez hop! Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, par contre, je sais pas si j'aurai le temps de faire toutes les épreuves aujourd'hui dans cette partie. Voyons voir. Le rôdeur se dévoile. Il se protège. Qu'est-ce que c'est? Bagarre aérienne. 5 ennemis avec des combos aériens dans le temps imparti. Donc faut l'envoyer en l'air, puis le tuer dans les airs. Alors on commence par l'affaiblir. Voilà. Et ensuite on se le fait. Comme ça qu'il faut faire. Faut d'abord les affaiblir pour passer le moins de temps en l'air possible. Et de deux. Et de trois. Et de 4. Ah, je lui ai fait trop de dégâts. Et voilà, 5. Je te tiens, fumier, je te tiens. Avec des âmes bonus, bien entendu. Et c'est parti. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. J'ai pas besoin de santé, j'ai pas besoin de courroux. Allez hop, on s'en fout. Pas besoin de les prendre. On pourra jamais les récupérer, mais c'est pas grave, ils n'ont aucun intérêt. Enfin, il y a bien un succès du jeu qui consiste à ouvrir, je sais plus, 150 coffres, je crois. Mais... il y en a tellement de coffres en fait. Il y en a bien plus que 150 dans le jeu. Donc, il n'y a pas besoin de tous les prendre. Allez, troisième épreuve. Ah si, j'aurai peut-être le temps de faire les 4. Cool. C'est cool, c'est cool. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a ici? Le gros nanaï, bien entendu. Son petit rire machiavélique. Fin sanglante, les petites... Alors, tuer 30 ennemis avec les attaques fatales. Ah oui, les finish moves, quoi. 30 finish moves. Ouh, mais ça se fait. Ça se fait. Surtout si on commence avec des chauves-souris. C'est cadeau, ceux-là. Allez, hop. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Ah. J'ai arrêté le combo, c'est dommage. Et de 7. Petite 8ème. Yep. Affaibli, c'est bien. Bam. Sur rond dès que je vois la touche. Ouf. Et hop, encore un. Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Mais vous êtes cinglé. Vous n'avez aucune chance. Vous êtes faible. Aïe, je dis ça, il me tape. Passe pas pour un con. Hop là. Chauve-souris. Chauve-souris. Et hop, je suis à la moitié. Encore 3 minutes 25. Ouais. Mais tais-toi. Tais-toi, laisse-moi embrancher. Laisse-moi embrocher, pardon, tes potes. T'as pas ton mot à dire. Coupé en deux, y'a que ça de vrai.
coupé en deux. Merde, y'a un gros. Y'a un gros enflammé là-bas. C'est même pas un gros enflammé, c'est un... C'est un point de feu. C'est pas cool. Tiens, mais ils envoient toujours des chauves-souris. C'est génial. Ça se fait rapidement, ça. Et hop là. Et hop. Raté. C'est génial d'être insensible au combat pendant les finish moves. Ah, encore une chauve-souris. Sans déconner, c'est cadeau ça, c'est cadeau. Ah, par contre, il y a deux points de feu. Ouh, 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 ça fait mal. Foutez le camp. Foutez le camp. Laissez-moi. Au secours. Les chauves-souris. Ah, j'ai pas eu. Là, y a, je l'ai eu. Allez, plus qu'un et c'est bon. Ah. Ah oui, j'avais oublié que je pouvais faire des coups pendant les... Oh putain. Oh, j'ai plus de santé, j'ai plus de... Finish move, vite. Ça y est, c'est bon. Ouh, 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 ouh. Ah, j'ai senti passer celle-là d'épreuve. Waouh, 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 waouh. Ouah, je m'attendais pas à, se prendre, à me prendre ce coup à la fin. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Quatre coups de corne. Hein. Allez, rends-moi mon courroux. Et surtout, rends-moi ma santé, j'en ai besoin. J'en ai besoin de cette santé. Ok. Direction la quatrième et dernière épreuve. Et... Allez, hop, je vais faire la dernière épreuve et puis... Et puis ensuite, on se rendra... Et bien ensuite, j'arrêterai la vidéo et c'est seulement après qu'on... On continuera la prochaine partie. Dernière épreuve. Ouais, ça va se faire aussi. Je vais avoir 3 minutes maximum. Ouais, c'est au-dessous des 35 minutes. C'est bon, c'est pas mal. Pas mal, ça passe. Alors, quatrième et dernière épreuve. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est cette fois? Qui c'est donc? Je sais plus du tout ce que c'est. Hein. Pour être totalement honnête, je sais plus du tout ce que c'est. Gitou. Venimeux. Ah, merde. 50 ennemis avant que la santé affectée de guerre s'épuise. Les récompenses d'âme sont basées sur la santé restante. C'est pas limité dans le temps. C'est limité sur ma santé. Ah. 50 ennemis avant que je crève. Aïe, aïe, aïe. Bon, remarque, ils sont gentils. Ils commencent avec des petits zombies. Des petits zombies qui permettent de se régénérer. Mais bon, ça c'est surtout des morts rapides. Ça, l'aura venimeuse. Ça va falloir s'y faire parce qu'il y a des ennemis plus tard qui auront ça et c'est vache. Ah, ils donnent des copes de santé en plus. C'est génial. Mais c'est trop facile alors. Enfin, je dis ça, je m'en prends. J'ai marre de ces saloperies. Foutez le camp. Les ennemis. Bam. Coupé en deux. Décapité. Ça commence à devenir un peu trop chaud, j'ai pas envie de me prendre le mauvais coup de poing. Ou de griffe, ou tout ce que tu veux. Allez, encore 10, encore 16. 16 ennemis, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut le faire tranquille. Tranquille, j'ai dit. Hop là, un peu de courroux s'il vous plaît, il me faut toujours plus de courroux. Plus que 12, plus que 11.
10. Ça peut le faire. Ça va le faire, tranquille. Allez hop. Et hop là. Et hop là. Allez, tu fous le camp, toi. Tu fous le camp. Bon. Oh non, ils sont obligés d'envoyer les gros comme ça. Ils sont obligés. Parce qu'ils sont méchants, les gros comme ça. Oh, c'est le finish move qui m'a sauvé. Enfin, sauvé. Peut-être le mot est encore un peu trop fort. J'étais pas sur le point de crever non plus. Allez, hop. Oh, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Donnez-moi mon Kourou. Mais... Ah, donnez-moi de la santé. De la santé. Plus que deux ennemis à tuer. Ça, c'est le bon plan. Plus qu'un. Ah oh, mais bon sang. Mais je vais y arriver. Non. Oui, ça y est, je l'ai. C'était juste. C'était très juste. Oui, par contre, le bonus sur la santé restante, il est pas très élevé, forcément. Ah, ben merde. Ah, ben merde, dis donc. Allez, hop. Contre-attaque. Ah, bien. Puis sur R1 juste avant l'impact. Très bien. Voilà qui était amusant. Peut-on recommencer ? Oui, parle pour toi. Moi, ça m'a pas amusé, celle-là, d'épreuve. Oh, aïe, 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 aïe. Difficulté apocalyptique, hein, ça. Ça se comprend. Ça fait mal. Hein, ça. Oh, mon Dieu, ça fait mal. Voilà, les 4 sont morts. Ça devait être le dernier. Tirons-nous d'ici. Ouais. Et bien avant qu'on se tire d'ici, moi je vais aller voir Vulgrim, parce que j'ai 2000 âmes quand même. 2000 âmes à dépenser. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut.